Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Alger. Le sujet que nous abordons aujourd'hui est la biographie d'une figure emblématique, mais tout aussi historique, qui est Laure Gatté, une lycéenne engagée. Pour en savoir davantage sur cette femme qui est rentrée dans l'histoire du Périgord, je vais laisser la parole à notre historienne du jour, qui est Héloïse Martin. Bonjour Axel. Bonjour Héloïse. Si je vous dis Laure Gatté, que pouvez-vous me dire ? Alors, lorsqu'on me dit Laure Gatté, je pense tout d'abord à une personne avec un caractère hors du commun, une personne très ouverte, très serviable et surtout très intelligente. Une femme exceptionnelle donc. Voilà. Qu'est-ce qui la distingue des autres physiquement ? Alors, lorsqu'on observe un tableau de Laure Gatté, on voit tout de suite que c'est une grande jeune fille avec beaucoup d'allure. Et on m'a dit que c'était une personne obligée de se courber pour suivre les conversations. Et comme toutes les jeunes filles de son époque, vous le savez, elle portait l'uniforme et la coupe à la mode qui était la coupe au carré. Et on sait aussi qu'elle avait les yeux extrêmement cernés. Cernés, mais pourquoi ? Je pense que c'est à cause de son parcours scolaire. Pouvez-vous m'en dire plus sur ses études ? Alors, on sait qu'elle a eu un parcours scolaire exemplaire. Et ce, dès son plus jeune âge, elle obtient des résultats excellents. Et elle a obtenu son bac de philosophie en juillet 1931. Et j'ai retrouvé des dossiers où elle obtenait les félicitations du conseil de discipline tous les ans et les premiers prix au tableau d'honneur en classe de terminale. Une femme très intelligente alors. Voilà, tout à fait. Merci Héloïse de ces informations fort intéressantes. Nous allons maintenant vous lire une lettre de Madame Galandi, directrice du lycée de jeunes filles à Périgueux. Ma petite Laurette, j'ai tant pensé à vous depuis que j'ai appris votre emprisonnement et surtout votre martyre, que j'ai eu souvent l'impression que vous étiez près de moi. Aujourd'hui, dans ce vieux collège où nous avons vécu ensemble, la présence de vos chers parents, de quelques-uns des professeurs, des camarades auxquels vous aviez l'habitude de sourire, rend plus aisée encore l'évocation de votre haute et mince silhouette, de votre visage grave et énergique. Je vous revois au moment de votre entrée en troisième au cours de l'année 1927. Je remarquais la brune grande fille, si grande déjà pour son âge, et si droite, droite comme une épée, qui m'examinait avec grave attention. Sans doute avait-elle été, elle aussi favorablement, prévenue car ses yeux cherchaient les miens et me souriaient. Ce regard loyal, ce sourire grave et confiant, sont inséparables pour moi de votre souvenir, Laurette, et j'en suis sûre du souvenir que gardent de vous tous vos professeurs. Tous vous ont aimé car vous étiez vraiment l'élève idéale, celle qui sait écouter et comprendre, dont la personnalité s'affirme sans se montrer jamais agressive ou turbulente et qui crée, par son sérieux, bienveillance généralisée, cette atmosphère de sympathie favorable au travail de l'équipe. Vous n'étiez pas moins appréciée de vos compagnes que de vos professeurs. Elles reconnaissaient votre franchise, votre serviabilité. Elles vous savaient gré de la générosité courageuse qui vous prendre spontanément la défense de vos amis lorsqu'elles étaient critiquées sans preuve, aimer votre égalité d'humeur et votre gaieté. L'humour de vos réparties, vos remarques et malicieuses les amusaient et elles admiraient vos talents particuliers pour le théâtre. Nous avons recueilli le témoignage de Madame Dagan, une amie d'enfance de Laure. Elle était un peu plus jeune qu'elle et ne dispose pas de souvenirs précis, mais elle nous a quand même livré quelques anecdotes. Quand j'avais 12 ans et que j'étais invitée chez les Gatté, ma sœur Cécile avait 15 ans et ma sœur Jeanne avait 18 ans. Alors moi, j'étais la petite dernière, si vous voulez. Alors ils m'invitaient parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais je me barbais et je lui racontais l'histoire du thé. Et Madame Dagan nous explique alors qu'invitée pour la première fois chez les Gatté, elle n'ose pas refuser la tasse de thé que lui tend Laure avec gentillesse. Le problème, c'est qu'elle déteste cette boisson. Pourtant, elle se force à la boire par politesse. Je m'en rappelle toujours de cette tasse. Depuis, je ne bois pas de thé, je ne peux pas le, je ne porte pas l'odeur et tout ça. Et je l'ai bu. Contrainte et un peu forcée, parce que je ne voulais pas dire non, merci, je ne l'aime pas. Qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient été chercher un jus de fruits ou être ennuyés. Elle enchaîne alors sur ses souvenirs du lycée. C'est sorti chez les uns, chez les autres. Si vous voulez, c'était pas joyeux comme maintenant, sans doute, où on boit quand même un peu, on fumote, même si on n'a pas le droit.
Bonjour, comment tu t'appelles ? François, bonjour. Et t'es en quelle classe ? Première. Qu'est-ce que tu peux me dire à propos de l'orgaté ? Alors c'était une résistante qui a été déportée en Allemagne et qui est morte là-bas. Et tu peux me dire quelque chose de plus ? À quel âge elle est morte ou Non ? Elle est morte jeune, à la fin de la guerre. Et tu sais ce qui se passe de spécial cette année à propos d'elle? C'est 100 ans. De sa mort, de sa naissance, de quoi? De sa mort. Ok. Bah, très bien, merci. J'espère que c'était ça, non? Alors salut, Zine. Bonjour. Est-ce que tu peux me dire ce que tu sais de l'orgaté? Ben, que c'est un lycée d'enseignement général et qu'il a un taux de réussite pour, pour le bac. De série S de 83%, parce que notre professeur de SES nous le répète sans cesse, et donc je sais pas quoi d'autre vous dire. Qu'est-ce que tu sais sur la personne de l'orgaté ? Ben, c'était une fille qui a été déportée. Attendez, j'ai un appel. Qu'est-ce que tu sais de l'orgaté ? Alors, ce que je sais de l'orgaté, c'est que lors de la Deuxième Guerre mondiale, elle a été résistante et qu'elle a été envoyée en camp de concentration. À part ça, je sais pas grand-chose. D'accord, merci. Bonjour Susanna. Bonjour. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'orgaté ? Je sais que c'est une jeune résistante qui a fréquenté notre lycée. Je la connais par littérature et société. Elle était courageuse, humble, malgré sa réussite très brillante au lycée. C'était aussi une personnalité très en avance sur son temps. Une fille qui a choisi de faire des études scientifiques à Bordeaux avant d'entrer en résistance. Aujourd'hui, tant qu'on parle de l'orgaté, il y a une personnalité qui te ferait penser à l'orgaté ? Oui, Yang Sang-suki, par exemple, qui a vécu comme une recluse chez elle des années. Ce n'était pas Auschwitz, mais on essayait elle aussi de la faire taire. Je suis dire non. Et d'ailleurs... Oui, vas-y. Ça m'évoque le mythe d'Antigone qui finit emmurée chez elle parce qu'elle a résisté à son oncle qui incarnait l'autoritarisme et l'injustice. Écoute. Oui. Je vais mourir tout à l'heure. D'un autre côté, on a plus de considération pour le garde que pour le sergent de l'active. Le garde, c'est un soldat, mais c'est presque un fonctionnaire. Tu crois qu'on a mal pour mourir ? Oh, je ne peux pas vous dire. Pendant la guerre, ceux qui étaient touchés au ventre, ils avaient mal. Moi, je n'ai pas été blessé. Et d'un sens, ça a nuit pour l'avancement. Comment vont-ils me faire mourir ? Je ne sais pas. Je crois que j'ai entendu dire que pour ne pas souiller la ville de votre sang, ils allaient vous murer dans un trou. Vivante ? Oui, d'abord. Ô tombeau, ô lit nuptial, ô ma demeure souterraine, toute seule. Bonjour Monsieur Charbonnel, alors vous êtes professeur d'histoire et géographie à l'orgaté et le grand initiateur de la belle exposition qui est consacrée à celle-ci. Merci pour le grand initiateur. Oui, c'est moi, je suis professeur donc, au lycée l'orgaté depuis 2001, donc c'est un lycée que je connais bien et c'est aussi en partie pour ça que je m'y suis investi dans ce projet. Pouvez-vous nous parler du projet qui vous a tenu en haleine durant ces mois ? Alors, c'est même des années, en fait. C'est un projet qui a commencé en 2009. Au niveau d'un conseil d'administration du lycée, on avait émis l'idée de commémorer le centenaire de la naissance de l'orgaté, puisque depuis 1993, en fait, il n'y avait eu aucun travail qui avait été effectué par les élèves. Donc le but, c'était véritablement de refaire quelque chose pour renouer un petit peu avec la personnalité de l'orgaté, que nos élèves la connaissent, apprennent un peu son histoire et sachent pourquoi notre établissement porte ce nom, en fait. D'accord. C'était le but. Et les informations que vous avez recueillies pour cette exposition, quelles ont été vos sources ? Les sources, elles ont été plurielles, mais l'essentiel, elle a porté en fait sur des sources qui nous viennent, qui proviennent de la famille l'orgaté, En fait, il reste actuellement dans la famille 5 neveux et nièces, qui sont donc les enfants du frère de l'orgaté. Et ces 5 neveux et nièces avaient récupéré pas mal de documents d'archives après le décès de Pierre Gatté en 2009. Et ces pièces d'archives, ils ont accepté de me les confier. Alors, il se trouve que je suis professeur en charge d'un service auprès des archives départementales. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai en quelque sorte servi d'intermédiaire entre les archives et la famille. Et ce fonds d'archives, il m'a semblé important de le mettre à disposition des élèves pour construire un projet pédagogique afin de renouer, on va dire, avec l'identité de l'orgaté, son histoire,
et de les faire travailler un peu différemment que les cours classiques d'histoire-géographie, les amener à travailler sur les sources brutes en fait de l'histoire, sur les matériaux de l'histoire, que sont les documents d'archives. Et vous avez rencontré des difficultés pour mettre en place cette exposition ? Alors des difficultés, on en a rencontré certaines, effectivement, et, tout pour gérer à ces difficultés, à ces limites. Ben, la première des difficultés, ça a été de rassembler toutes ces sources, parce qu'on a fait appel, certes, aux archives de la famille, mais on a été aussi amené à élargir un peu notre champ de recherche, puisque nous sommes allés à la rencontre de services d'archives en dehors de la Dordogne. Nous avons demandé des renseignements au service historique de la Défense à Caen et à Paris. Nous sommes entrés en contact aussi avec des musées, enfin toute une série d'acteurs qu'il a fallu donc retrouver, prendre contact avec eux. Ensuite, l'autre difficulté, ça a été de transposer ces documents d'archives pour les rendre compréhensibles et accessibles aux élèves. Parce que la difficulté, en fait, qu'on a rencontrée, c'est qu'il fallait tout le contexte dans lequel cette histoire pouvait s'inscrire. Alors, pour la Deuxième Guerre mondiale, les élèves ont quelques connaissances, mais il y a des aspects sur l'histoire sociale, sur l'histoire culturelle de l'entre-deux-guerres, où là, il n'y a pas beaucoup de connaissances, beaucoup de difficultés pour les élèves à comprendre un certain nombre de choses. Donc là, il faut saluer le travail en particulier de Madame Fournier, de Madame Nacombe au collège, de Madame Hainaut, de Madame Ranouille aussi, professeur au collège, puis aussi saluer le travail de Jean Rouchot et de Patrice Gard, parce que ce sont eux qui ont pris en charge l'animation des ateliers pédagogiques avec les élèves. Et selon vous, quelles sont les impressions que donne cette exposition ? Alors, bon, je suis jugé parti, donc c'est pas très bien que je donne mon avis, mais enfin, le retour que j'ai, en fait, personnellement, c'est que je sens une forme d'intérêt. Je dirais presque une adhésion au projet, une adhésion de l'intérêt à l'intérieur de l'établissement, de la part des élèves, mais aussi de la part des personnels. On s'en est rendu compte lors des commémorations. Je trouve aussi qu'il y a un intérêt de la part des habitants de Périgueux et plus largement de la Dordogne, parce qu'on a produit un petit catalogue qui est aujourd'hui en vente en librairie, et c'est un catalogue qui connaît un certain succès en termes de vente. Donc c'est le signe quand même que, quelque part, l'Orgaté, c'est une personnalité qui intéresse les Périgourdins. Et puis il y a un autre aspect qui montre ça, c'est qu'il y a eu une enquête dans le journal Sud-Ouest, il n'y a pas longtemps, et l'Orgaté arrive à 37% en tête des femmes qui représentent le département de la Dordogne. Hein, quand on a posé la question dans le cadre de la journée de la femme, à quelle femme pensez-vous quand vous pensez à la Dordogne ? Eh bien, beaucoup ont cité l'Orgaté. Hein, 37%, c'est une enquête de Sud-Ouest. Ben, merci beaucoup, Monsieur Charbonnel, pour ces informations. Je voulais juste, avant que tu clôt l'entretien, préciser quand même une chose qui est importante, c'est que ce projet, c'est un projet qui est pluriel, en fait. Hein. Il ne faut pas entendre que l'exposition, que le catalogue. Il y a eu d'autres actions qui ont été menées, et en particulier, il y a eu des travaux au collège en allemand, avec un projet d'écriture, et puis autour de Sophie Scholl. Mais il y a eu surtout un beau projet d'écriture qui a été mené donc par Karine Heneuse et puis Serge Labarbera. Et ce projet d'écriture, il a donné lieu à plusieurs choses, des poésies, des nouvelles, des lettres, des souvenirs. Et c'est vraiment un très très beau travail. Donc j'espère qu'on va pouvoir en prendre connaissance et que ça sera publié bientôt. Merci beaucoup. De rien. Nous allons maintenant recueillir les témoignages de Monsieur le Proviseur, qui est Monsieur Cagnard. Bonjour Monsieur Cagnard. Bonjour. Alors je vais vous poser quelques questions. Tout d'abord, lorsque vous avez été nommé proviseur, avez-vous directement cherché à savoir qui était l'Orgaté ? Alors, lorsque j'ai été nommé, non, puisque je le savais déjà. Parce que je suis quand même arrivé en Dordogne en 1995 et j'ai été au prof principal au Collège Montaigne. Donc évidemment, les lycées de Périgueux m'intéressaient puisque j'envoyais mes élèves du Collège Montaigne aussi bien à Bertrand de Borne qu'à l'Orgaté. Et c'est vrai que j'ai tout de suite cherché à savoir qui était cette personne. D'accord, merci.
Ensuite, pouvez-vous nous dire pourquoi 2013 est une année importante pour notre lycée ? Je pense que le fait qu'on soit là en interview, déjà, ça l'indique, hein, c'est important puisque c'est la célébration du nom éponyme de l'établissement autour du centenaire de la naissance de l'Orgaté, du 70e anniversaire de sa mort. Alors c'est important parce que c'est peut-être effectivement communiquer davantage avec la population qui peut-être ne connaît pas bien l'Orgaté, hein, si ceux qui y travaillent s'y intéressent, c'est pas évident que l'ensemble de la population sache encore aujourd'hui qui était cette personne. C'est doublement important puisque c'est en même temps la cité scolaire qui se restructure, hein. Toi qui élève, tu le vois, hein. Oui. Transformation de l'établissement, une première phase vient de se terminer avec des locaux tout neufs pour une partie des élèves, et puis c'est 2013, ça sera aussi le démarrage de la dernière phase de travaux qui dureront quelques années, mais qui feront enfin de notre établissement un bel établissement dans Périgueux. D'accord. Pouvez-vous aussi nous dire quelle manifestation va-t-il y avoir pour fêter cela et quand vont-elles se dérouler ? Alors, ça va se dérouler sur, on va dire, sur un mois à peu près, au printemps, hein, autour d'une exposition, hein, et sur laquelle se greffent de nombreux travaux qui ont été menés par les élèves. Donc le clou, c'est effectivement l'ensemble du travail des élèves, que ce soit en seconde, en première, en terminale, que ce soit en histoire-géographie, en français, en théâtre, bref, dans de nombreuses disciplines, il y a eu un engouement de la part des enseignants et des élèves, hein, de nombreux élèves participent à cela, et là vous en faites partie, donc pour donner une grande qualité à ce que l'on va montrer à la population. Okay. Alors ça va donc se passer, il y aura donc des expositions qui seront ouvertes au public, qui seront ouvertes à l'ensemble des élèves bien sûr, mais aussi à la population périgourdine, et cela se concrétisera par, comme toujours, une inauguration de l'exposition, pour laquelle j'espère le président de la région Aquitaine, Alain Rousset, sera présent, ainsi que le maire de Périgueux, qui est aussi représentant du conseil régional, qui soutient cette manifestation, cette célébration, et puis une personne qui est Madame Anne-Marie Cocula, qui est aussi élue à la région, mais surtout qui est une grande historienne de Périgueux, et qui a suivi, véritablement tout le travail qui a été mené par les élèves, avec en chef de file chez les professeurs, on va dire, hein, Monsieur Charbonnel, professeur d'histoire bien connu. D'accord. Une dernière question. Pensez-vous que l'Orgaté est un modèle intellectuel, mais aussi un modèle de personnalité pour les jeunes filles de notre établissement ? Ben, indéniablement, hein, indéniablement. Je pense que avoir choisi le nom de l'Orgaté pour l'établissement, c'était quand même quelque chose de particulièrement important. À la fois, ben, pour toutes les valeurs qu'elle représente, vous le savez, on essaie avec le rectorat de faire en sorte de promouvoir l'instruction scientifique chez les jeunes filles. Donc, à ce point-là, ben, on peut dire que l'Orgaté est vraiment une précurseur, un précurseur en la matière, puisque Massienne, ben, ça veut dire qu'elle a, elle, jeune fille, au moment où les droits des femmes n'étaient pas les mêmes, elle a été cette précurseuse qui fait que aujourd'hui, eh bien, il faut arriver à ce qu'il y ait davantage de filles qui s'orientent vers les disciplines, vers les métiers scientifiques. Donc, première chose. Deuxièmement, c'est une forte personnalité morale et c'est son engagement dans la résistance qui est aussi qui a marqué l'histoire et qui doit encore aujourd'hui nous marquer, refuser tous les autoritarismes, refuser les privations de liberté et puis surtout s'engager à côté des hommes et d'autres femmes pour se battre pour la liberté. Donc quelque part on lui doit aujourd'hui, avec des millions d'autres bien sûr, mais elle est une figure importante au sein du département, de la ville, et donc je crois que notre établissement peut être fier d'avoir comme cela une femme qui montre la voie à toutes les jeunes filles qui viennent aujourd'hui au lycée Lorgaté. D'accord. Merci Monsieur Calnard d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est tout le plaisir était pour moi. Au revoir. Et maintenant, deux poèmes en hommage à Lorgaté, rédigés dans le cadre d'un atelier d'écriture conduit par Madame Ineuse et Monsieur La Barbera. Liberté, liberté, c'est ce que tu voulais. À genoux, la tête haute, tes yeux pleins de pitié. Rêve de ta liberté dans ce camp délabré, en ce jour congelé de ce mois de janvier. Seul face au vent, tu repenses au passé, invective un dieu de sa sentence sacrée. Sur tes frêles épaules pèse la nature humaine. Ta plus grande inquiétude, que tes actions soient vaines. Auschwitz, Birkenau, c'est ton nouveau combat. Ne courbe pas les chines, ne baisse pas les bras. Confrérie Notre-Dame,
elle se perd dans le froid, et c'est ta vie d'avant qui s'éteint avec toi. Drapé de ton honneur, tu fais face à l'ennemi, et à la fin, à la mort, aux épidémies. La croix de Lorraine remplace celle du Christ, avec ou sans baptême, pieux ou athéiste, un père conformiste, pensée pessimiste, rentre dans les rangs, prends les armes, il est temps, et tu sais que ta vie s'amenuise lentement. Gare aux collabos, aux nazis, aux policiers, à toujours te cacher, ta jeunesse tu as gâché. Tu n'as pas pu trouver ni d'amour ni de foyer. En affrontant les vagues qui s'abattent sur ta patrie, tu savais bien qu'un jour, elle t'arracherait la vie. En contemplant ce monde qui faiblit dans ton dos, sur la scène de ta vie tu fermes le rideau. Ton sang tache ce drap qui recouvre tes mots. Haleine, tu la perds, la peine de ta mère, elle ne te verra pas devenir mieux qu'hier. Revenons à ce destin qui fut bien trop bref. Or tu ne le partageas qu'entre guerre et nef. Immobile dans ce camp, transi par cette peur qui t'assaille, qui te ronge, qui démolit tes songes. Une vie dévolue à défendre tes idées, et la loi du plus fort a encore triomphé. L'apathique pensée cloisonnée repose le corps, empoisonne l'esprit. Le pas lourd, grave mais hardi, nous, qu'aurions nous fait sous les huées. Nous voyons sous d'acerbes critiques, écho de la féconde mollesse, écho d'une mélodie capitonnée se faisant lassante, nous, qu'aurions nous fait sous les huées. Le fruit de l'être vient-il de ses racines? Le fruit de l'être mûrit-il de ses expériences? Nous, qu'aurions nous fait sous les huées? Face au despotisme flagellant les accoucheurs d'idées, face au mur bâti par l'habitude, la pusillanimité et l'indolence et la velléité et le cri des foules. L'audace, la verve et l'envie brûlent pour exister. Courant à la mort, pour la vie, claudiquant, haletant, nous, qu'aurions-nous fait sous les huées? À toi alors. Elle comme loyale, tu l'as été jusqu'au bout. A comme ambition, celle qui t'accompagnait durant tes années d'études. U comme unique, tel fut ton combat. R comme résistante, tel fut ton destin. E comme exceptionnelle, comme la personne que tu as été et que tu demeureras à jamais. Les participants sont Sonia Gasmi, Marie-Henriat, Ambroise Chupin, Léa Lagarde, Héloïse Martin, Dylan Couteau, Émilie Fargas et Axel Gras, ainsi que Fanny Desmaisons, Lucie Lallier, Charles-Antoine Lorrain, Susanna Mendes, Mélina Rinaldi, Rose Carpitella, Eva Labrio, Léa Lajonias, Axel Leroy et Armance Pirovano. Nous remercions tout particulièrement Ambroise Chupin, élève en seconde 5 à l'Orgaté, pour avoir composé toutes les musiques de notre émission. Ainsi qu'une dédicace aux résistants du passé comme aux résistants de l'avenir.